Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Depuis quelques jours, ces images que vous voyez là, ces vidéos nous donnent l'insomnie dans plusieurs groupes WhatsApp ainsi que certaines pages Facebook des blogueurs. Deux costauds papa en train de tout par appel vidéo, les papas des gens. Hey! Alors, on nous parle là de deux images, deux vidéos de deux personnalités, de deux grands hommes camerounais, le sous-préfet, bref, un sous-préfet et un professeur d'université. C'est vrai, le sous-préfet a essayé de démontrer par A plus B que ce n'est pas lui. On parle du sous-préfet. Bon, il a dit ce n'est pas lui. Il a démontré. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Bon, bref. Je ne fais pas cette vidéo pour les exposer ou bien pour les critiquer, non plus pour les encourager. Mais je fais cette vidéo parce que ceux qui sont en train de se moquer là, ce qui les arrive là aujourd'hui, ça peut vous arriver demain. Vous savez, Internet est arrivé dans notre pays et beaucoup ne savent pas encore manipuler ces choses-là. Et beaucoup ne savent même pas encore ce que c'est qu'Internet. Beaucoup découvrent encore Internet. Donc, il tombe aussi dedans avec la tête, les pieds et tout le reste. Faites très attention. Je voudrais attirer d'abord votre attention en vous faisant observer quelque chose. Vous allez voir, dans les deux vidéos, c'est la même femme qui les piège. Les deux vidéos, donc le soi-disant sous-préfet et le professeur de l'université, regardez bien, c'est la même femme, non? Donc, je voulais vous faire comprendre que ce ne sont pas des femmes qui sont réellement cachées derrière. Ce sont ceux qu'on les appelle les scammers. Les scammers, en un seul mot, c'est des bandits, c'est des arnaqueurs. Ça veut dire, ce sont des faux profils qu'ils créent avec l'image des femmes. Ils peuvent même être même ensemble. Ça peut être même leur copine. Donc, à travers leur copine, ils vous manipulent. Donc, c'est les mêmes gens qui passent le temps à vous envoyer des liens via WhatsApp, des liens pour vous dire soit Nextel ou bien telle entreprise va signer un contrat de $700, cliquez sur ce lien-ci parce que votre page a trop de visibilité, vous allez signer un contrat publicitaire, vous allez gagner plus de $700 par semaine, cliquez sur ce lien pour avoir plus d'informations. Parfois on vous envoie des liens, vous avez gagner plus de ou c'est combien 700 gigas ou bien 500 gigas par jour, vous pouvez avoir 100 gigas par jour, cliquez sur ces liens. Ce sont des liens, dès que vous cliquez, soit on pirate votre compte, soit on pirate votre page, soit. Ce sont toujours des scams. Les gars sont des experts dans ces choses. Et généralement, on piège soit des hommes d'affaires, soit des hommes publics. Quand je dis les hommes publics, soit les hommes, les membres du gouvernement, soit les grands hommes dans le showbiz, parce que ce qui les arrive là, nous-mêmes, moi-même personnellement, j'ai reçu ce genre de trucs, des jeunes filles qui vous contactent sur Messenger, c'est toujours des belles femmes qui vous écrivent, voilà Franco, je t'aime, machin, truc, si tu n'es pas rusé. Et vous allez constater que les gens qui tombent généralement dans ce genre de piège-là, ce sont les gars, des hommes qui ont passé tout le temps dans les études, l'école, on les appelait à notre époque, on fréquentait les gens école. Donc, c'est-à-dire que tout le temps, c'était les études, ils n'ont pas eu le temps, comme nous les Ouamans, de tâter un peu de partout, parce que nous sommes les rusés, mon frère. Une gars va encore venir nous piéger avec les 16 steps, parce que ça commence comment? Que nous on va, mec, on peut pas tomber. Et nous, généralement, les bobos ou les mouna bobos là sont sensibles aux trucs comme ça. Vous voyez, comme dans certaines relations, c'est toujours les mouna bobos qui donnent beaucoup d'argent. Et les bobos là, ils donnent beaucoup d'argent aux femmes. Nous, les waman, mon frère, nous on donne les dos sur calcul. Même si on est milliardaire. Donc c'est un peu ça le souci. Donc les boys là, ils tombent, on les prend facilement. Et le plus souvent, c'est quoi? C'est pour te faire le chantage. Quand tu tombes dans leur piège, parce qu'ils prennent du temps, hein, ne pensez pas quand vous voyez les vidéos là, c'est qu'on t'a pris une seule fois. Non! Le gars te peut prendre même 4, même 5, même 6 mois pour t'étudier. Commence par les messages. Voilà, il t'étudie. Toi, c'est toi. Il te prend petit à petit, c'est toi qui donne presque toutes les informations sur toi. Tu es sûr que c'est avec une femme que tu es en train de causer. Il peut même t'envoyer plusieurs vidéos.
de la même femme, que d'un habillé. Donc, je dirais que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les scams. Hein. Les gars sont des experts. Ils sont trop forts. Dès qu'ils réussissent donc maintenant à voir tes vidéos nues comme vous avez vu là, le chantage commence. On te dit, tu vas verser telle somme. C'est-à-dire que les gars finissent d'enregistrer. On te rebalance ta propre vidéo. Si on te fait comprendre donc la vérité, que bon, tu fais comment? Voilà, on t'a vu, on va balancer ça sur Internet. Et si on balance ça sur Internet, tu peux perdre ton boulot ou bien tu es marié, tu as tes enfants, tout cela peuvent regarder, tu connais l'image que tu peux avoir, machin. Tu commences à paniquer, tu commences à trembler. Tu commences à donner alors l'argent. Tu vas donner l'argent jusqu'à quand? Même si tu donnes combien? Tôt ou tard, les gars, avant, je ne vais pas publier les vidéos là. La meilleure façon, c'est que dès que tu sens que tu es tombé, man, laisse-toi aller. Que faites de ça ce que vous voulez. Ça sort comme ça sort. Parce que même si tu leur donnes combien, chaque fois qu'ils vont finir de manger, qu'ils auront faim, ils vont venir te dire que tu fais comment? Nous, on en veut toujours. On balance. Et le jour que tu dis que tu n'as plus, ok, on balance. Tandis que tu vas passer toute ta vie à travailler seulement et les envoyer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, faites très attention. Ceux qui viennent dire que, oh, vraiment, on ne comprend plus rien. Vous ne comprenez plus rien, quoi. Ça peut arriver. Ça s'explique. Tout homme que vous voyez là, vous pensez que, même comme ils sont toujours là, avec les gros costumes, machin, nous sommes tous pareils, mon frère. Et c'est ça qui prouve que nous sommes tous pareils. Nous sommes, dès qu'on enlève tous tes habits, tous tes galons, tout ce que tu as, tous tes titres, tous tes diplômes, tu sais, tu es niquette, comme tu es sorti dans le ventre de ta mère là, tu as encore quoi? Tu as encore quoi? Voilà! Un prof de l'université, ok là, et Adama, vous-même vous voyez, ne vous moquez pas d'eux, hein. Je vous dis que, quand Dagobert dit là que, gars, je cherche là où je vais me reposer. Gars, tout s'arrête dans ta life. C'est comme si même tes activités, tout. Qui peut me dire là qu'il peut faire un an sans toi, gars? Qui? Que toi, on t'a fabriqué avec quoi? Donc, quand les gars là ont une manière de t'amener. Donc, tu es sûr que non. Je suis tombé sur une go qui me yamo, qui m'aime, machin. Tu commandes les ouais des blancs. Tu dis que ça, c'est le truc qu'on faisait à l'époque au cyber. La technologie évolue, même dans ta maison et ton téléphone. Ça, on partait au cyber à l'époque quand nos jeunes soeurs cherchaient encore les blancs. Vous vous rappelez? Elles se déshabillaient dans les boxes là, elles tournaient, elles faisaient les trucs avec les caméras qu'on accrochait. C'est ça aujourd'hui qui revient. Et vous allez après condamner les Saint-Tiafiangang, condamner les petites filles qui se retrouvent en train de danser partout sur les réseaux sociaux. Quand ces enfants là regardent aussi vos vidéos si aujourd'hui comme ça là, c'est quelle éducation? Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Oui, on comprend que c'est une erreur, mais soyez sages. Les pères qui sont en train de m'écouter là, soyez sages. Soyez sages. Les réseaux sociaux là, n'utilisez pas les réseaux sociaux n'importe comment. Les gars sont trop expérimentés dans ces choses là. C'est ce que je voulais dire ce matin. J'attirais juste l'attention de ceux qui ne sont pas encore tombés sur le piège là. J'espère que dans les jours à venir, on va aussi sortir pour d'autres. Hey, non! Vraiment. C'est-à-dire que tu vois de ces choses, tu dis que, hey! Hein? Bref, beaucoup de courage à ses parents. Ça va passer. Ça va passer. C'est dur, c'est très dur parce que vos épouses ou bien vos enfants ou bien vont tomber dessus, ça sera comme ça sera dur, mais gardez le coup, ça va aller. Tout le monde peut tomber, mais pour ceux qui ne sont pas encore tombés, soyez sages. Ce sont pas des femmes, ce sont des boys qui sont derrière ça. Vous entendez? Pour tous ceux souffrant d'hémorroïdes internes ou externes, peu importe le nombre d'années, voici l'idéale solution. Alors ce produit avant tout permet à chaque personne de digérer normalement. Parce que les personnes souffrant d'hémorroïdes, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à digérer, qui ont un ventre qui ballonne. Ce produit commence déjà par vous faire digérer normalement, commence par vous faire aller au sel normalement. Maintenant, ceux qui souffrent des problèmes d'hémorroïdes internes, les selles qui sortent avec le sang, voici l'idéale solution. C'est cette boule qui va permettre non seulement de stopper le rectum qui ressort après les selles, mais aussi de mettre fin
au sang qui va sortir lorsque vous partez au sel. Alors, très chère dame, je vous conseille à vous tous, même si vous n'avez pas encore, ou alors vous n'avez pas encore les symptômes d'hémorroïdes et vous ne digérez pas normalement, voici la solution pour vous. Pour pouvoir digérer, or, normalement, une personne doit faire les selles au minimum 2 fois par jour. Quand vous ne pouvez pas le faire, vous êtes en train de courir un risque d'hémorroïdes. Et voici la solution pour vous. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.